Ah oui, mais je sais pas lequel. C'est les deux lignes en fait. Attends, laisse-moi le prendre. Je comprends rien, c'est trop chelou. Prends un crâne là. Ouais, prends un. Ok, bon. Ok, donc tu l'as pris, Romain. Ouais, moi j'ai pris le. Donc voilà, ici il faut prendre un crâne et il faut aller le déposer sur le socle. Vas-y, viens. Et quand t'es en solo, il faut en déposer que un, faut tous les déposer. Non, 4 toujours. Mais non, puisqu'on est 3 là. Ouais, et là il faut tous les déposer et juste en déposer 3. Puisqu'on est 3. Donc là, 4. C'est 3, 2, 1. Dès qu'il y a celui-là. Mais je sais pas. Ok, bah c'est moi. Donc voilà, ici vous déposez le crâne. Non, c'est moi. Il y a des zombies qui arrivent. Non, c'est moi qui l'ai fait. Okay. Et en fait, les zombies sont attirés par le socle. Ouais. Et ils peuvent pas, ils vont pas te tuer, mais ils vont essayer de dévorer le crâne, donc il faut les tuer. Mais ça te rapporte pas de points. Ouais, je sais, mais c'est trop stylé. Bah ouais. Par contre, faut faire gaffe quand tu vois le dernier zombie. Ouais, il faut pas tuer les zombies. En fait, là, ils sont verts, tu vois. Arthur, tue pas l'autre. Ils sont plus stylés que. Voilà, c'est bon. Frère, voilà, là, c'est fini. Donc, moi, je prends le crâne. Ici, on prend le crâne. Puis, ouais, donc le tien. Et puis, on va le déposer. Il faut se faire ça 4 fois. Et tu vas le déposer là ou à sa place. Et en fait, tu dois faire tous ces crânes-là pour avoir après l'arme secrète. Donc, il y a un truc qui va s'ouvrir ici. C'est la dingo. Non, ça n'a rien à voir ça. C'est un truc hyper. C'est un crâne que tu auras. Tu verras, c'est what the fuck. C'est Ah, bah c'est bon, non. J'ai le bon. Quatre crânes en fait. Et là, c'est le deuxième. Bon, voilà, maintenant je prends le crâne. Oh, en fait, faut pas que t'ailles vers là. Essaye de ressortir. Il faut faire le troisième crâne qu'on a déjà fait. Voilà. C'est mieux l'arme du crâne ou la KT, la machin truc. Bah, je sais pas. C'est pareil, je sais pas. Donc, ici, on fait le quatrième, voilà. Alors, je vais tester un peu la KT4. Tu tues. Ouais, si un gros, tu. Y'a un gros. Ok, donc je vais tester. En fait, on peut la charger l'arme et ça fait 3 munitions. Voilà. Je peux arrêter de tourner. En fait, ça fait. Je peux arrêter de tourner. En fait, ça les immobilise. Non, on tourne toujours. Là, on est en train de faire pour le 4ème nickel. Oh, ouais, elle est bien quand même. Voilà. Voilà. Tu l'as pris? Qu'est-ce que je dois faire? Bah, regarde ce qui se passe. Voilà, donc là on a mis les 4 crânes et là paf, l'arbre s'enlève. Et là, et là le temple s'ouvre. Non, attends, faut que tu continues à faire tourner les zombies. Et là, tu prends les zombies. Ok. Voilà, vas-y, descend. Et faut les tuer, c'est ça? Ouais. Et en fait, il faut tuer les âmes qui vont être absorbées par le crâne. Voilà. Faites quoi vous là? Mais en fait c'est un peu comme dans Shadows, il y a des, je sais pas, des esprits qui vont sortir les murs. Mais ils meurent facilement. Hein. Ouais, t'as vu, ils sont arrêtés. Pourquoi ils sont attirés par toi? Ah, mais alors, faut arrêter de me prendre un bang bang là. Je sais pas pourquoi ils sont tous sur toi, mais. Ouais, tu peux me réanimer. Oh, voilà, c'est fini. Ouais. Voilà, là on a fini rituel. Bah là, tu peux descendre, ouais, et ça c'est l'arme secrète en fait. Et alors le crâne ici devant, voilà, ici, et c'est comme un peu un spécialiste qu'il faut appuyer sur L1 et R1. Je sais pas comment faire pour descendre. J'espère pour toi. Ah ouais. Le boîtier, attends, je te montre l'arme. 1000 euros. Ah oui, c'est ce que je t'ai dit. Laissez-moi faire des points là. Attends, moi je vais aller améliorer mon arme.